Et salut à tous et toutes et bienvenue sur frappstesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe Solus de Dead Space 2 sur Xbox 360. Et nous allons donc continuer l'aventure. Nous sommes encore à la CEC là. Et nous nous apprêtions à continuer l'aventure vers... vers je sais pas quoi en fait, on va bien voir. Exploration de la mine, forage en cours. J'ai quoi comme munitions déjà? Ouais, pas sûr que j'aille bien loin avec tout ça. J'ai eu quasiment plus de crédit. Bon, bah tant pis, on va faire avec, hein. Regarde, on a une sacrée machine. Ah bah ça y est, nous avons atteint l'épisode 12. Ça doit faire mal ce genre de truc, hein. Ah, il y a Ellie là-bas. Bon bah ça veut dire qu'on va pas croiser trop de monde par là déjà. Enfin voilà, pas en croiser tout de suite, du moins. Allez hop, ça on ramasse. Un point de force, c'est toujours bon à prendre ça aussi. Isaac ? Je dirais que le mécano s'est fait éjecter avant d'avoir pu réparer. Strauss est mort, Ellie. Oh. Je vais pas le pleurer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? T'avais besoin de lui pour le monolithe. Strauss ne nous menait pas au monolithe. Tout ce qu'il voulait, c'était fuir son fardeau. Et toi, alors? Je fuis plus personne. Je sais ce que je dois faire. Bon, cette foreuse va nous être utile, hein? Tu devrais aller voir si tu peux la démarrer. Je vais chercher l'autre batterie. Ok. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Ok. Vas-y, vas-y. Alors elle monte un peu à la barbare. Ah bah j'ai l'impression qu'en fait faut vraiment monter par ici vu les échelles. On ferme la porte pour la sécurité, mademoiselle. Parfait, on s'attache. Je sais plus trop ce que je voulais voir. Je voulais regarder un truc, mais bon bah tant pis, je regarderai plus tard. Comme j'y repenserai. Alors apparemment faut qu'on s'occupe de ça. Il y a une batterie à trouver. Et la batterie doit être là-bas. Donc on va aller faire un tour ailleurs. Il y a l'air d'avoir grand monde par ici, hein. Là-bas, il y a un truc qui brille. Ah bah, c'est carrément, semi-conducteur diamant, ça va rapporter du fric, ça. Au moins, on pourra se racheter des munitions si besoin est. Alors, voyons voir. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, là-bas. Coucou, Ellie. On est en train de passer sur les machines là-bas, c'est pour ça. Ça fait du bruit. Ah là par contre il y en a un beau. Y a-t-il d'autres volontaires? Apparemment non. Merci pour les munitions. T'es où le second? T'es là! Et merci pour les crédits, ça valait le coup. Allô, allô? Y'a quelqu'un? Bon, apparemment, c'est bon, j'ai fait le tour. On va essayer d'utiliser pour les bestioles qui étaient là-bas.
Quoique, je vais peut-être envoyer un peu trop loin. Ouais, bon bah tant pis. Circuit imprimé. Je sais pas trop ce que ça vaut. Trouvé. Cool. Je crois que j'ai grillé le système pour le contourner. Ça roule. Ouais. Ah, je crois que j'ai fait les choses à l'envers en fait. Il était peut-être nécessaire en fait d'abord récupérer la batterie et seulement ensuite récupérer le... comment dire... Le conducteur là. Bon, j'espère que ça a pas tout foutu de la paille au niveau des dialogues du coup. Oula, il y en a un beau là. Tiens, retour à l'envoyeur, ça te fait... Merci pour les munitions. Toujours personne. Par contre, j'ai la drôle d'impression que ça a coupé la lumière, non? Enfin, j'ai l'impression d'en avoir moins. Ou alors c'est moi qui craque. Ah bah non, peut-être pas. Bon bah d'accord, c'est moi qui craque. Voyons voir. Ensuite, donc, il faut récupérer la batterie. Toujours est-il qu'il va falloir tuer les quelques bestioles qui sont ici. Nickel! Ça, c'est du 2 en 1. On va essayer de faire de même avec les autres. Ouais, non, apparemment ça marche pas de la même manière. Hein. J'ai une idée. Alors on s'entraîne. Ouah non, le... je me suis encore fait avoir. On réessaye. Ça c'est de la technique. Et voilà, sans stase, je l'ai pas tué. Ah bah si quand même. Il n'y en a pas d'autres là. Je crois que je les ai tous eus. On va vérifier. Jack, t'as trouvé une autre batterie? Non, pas encore. Plus qu'une, hein? Ouais. Ok. Je crois qu'il y avait un truc, un objet à récupérer, mais en fait c'était le truc qui grillait là. Ici apparemment on ne peut pas y aller. Et allez, on va récupérer la nouvelle batterie en espérant qu'il y a plein de monstres qui vont débarquer. Bon bah ça a l'air d'aller pour le moment. Fallait que je le fasse après ce que j'avais fait au départ là. Il ne reconnaît pas cette jonction. Ça devrait aller tout seul. Rebranchons. Quoi? J'ai pas entendu. Que dalle. Que dalle. Ça veut dire quoi ça, que dalle? Et voilà. Ascenseur de l'autre côté. Je vais tourner, prends-le. Quoi? Ah, je me sentais trop qu'elle allait tourner de ce côté-là. Oh non. Oh là, qui a l'air d'arriver, je sais pas, je sais pas trop où il est. Ils
saleté de gosse rentrer chez vous. Pas de volontaire. D'autres volontaires. Waouh. Mais ils sont combien là? Heureusement que j'ai un toc de munitions. Bon, il y en a combien qui vont venir là? Et puis qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gosses? Bon, vous me direz quand je pourrais finir là. Elle a d'autres? Je crois que cette fois-ci c'est terminé. On les reverra plus cela. Bon, j'ai utilisé quand même pas mal de vie pour rien. Mais je crois que j'ai récupéré pas mal de munitions aussi. Voilà, ça devrait faire l'affaire quand même. On va éviter de se rapprocher des gros trucs qu'il y a ici. Et je crois qu'elle nous avait dit de prendre l'ascenseur. Donc c'est ce que nous allons faire. Je crois qu'on pourrait peut-être revenir au tout début pour pour vendre notre carte là. Enfin, notre semi-conducteur. Ah, mais la porte s'est fermée, ok. Bon, on n'a plus trop le choix. On y va, on prend l'ascenseur, comme elle nous le disait. Ok, j'y suis. Ok, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Vous remarquerez qu'il n'y a absolument aucune protection qui nous pourrait nous empêcher d'atteindre l'espèce de rouleau. Donc on va essayer de rester dans ce coin. Oula. C'est bien en chair par ici, hein. Ces choses ont envahi les mines. Si on en croise autant par ici, combien il y en a au-dessus de nous? Bah là-haut. Ah, il y en a que de ça ici. Toi, tu restes ici. Il n'y a pas un autre qui a pu lui passer ici. Non, c'est bon. Laisse-moi le temps de recharger, s'il te plaît, toi la bestiole. C'est bon. Ouah, mais il y en a encore plein là-haut. Et toi, range-toi, s'il te plaît. J'ai pas besoin de toi. Waouh. J'essaie de les décrocher.
fasse gaffe. Alors attendez, il n'y a rien pour attendre. D'autres volontaires bestiaux. Allez, toc toc toc, y'a personne d'autre. Le sol est quand même bien bas là. Ah, nouvelle salle. On dirait qu'on a atteint les fondations du siège du gouvernement. Et comment y accéder ? Droit devant, nous avons une foreuse. Wow ! T'as vu que je suis en haut de ce truc, non ? Ça fait beaucoup de hélices dans un seul passage. Se faire le mur. Qui est en fait... terminer la séquence de la foreuse. Et je parie que ton monolithe se trouve derrière cette porte gigantesque. Bon, ne traînons pas trop. Ces choses vont sûrement nous suivre jusqu'ici. Il doit y avoir un ascenseur pour relier les différents niveaux. Essayons de nous rejoindre. Ok, je me mets en chemin. Allez, prends soin de toi, Ellie. Je crois qu'on a fait un sacré... Ah, épisode 13 déjà ? Je crois qu'on a déjà fait un sacré trou dans leur mur, là, dans leur décor. Ça va faire un petit peu tâche, quand même. Hein. En même temps, qui veut la fin, veut les moyens, on le dit assez souvent. On va sauvegarder. Alors, faut que je sauvegarde où, déjà ? Bah, ici, tout simplement. C'est quand même bien sympathique, là, ce petit passage. Il y a un hélico entreposé. Quoi ? T'en es bien sûr ? J'y croyais plus. Isaac, tu me reçois ? On va partir d'ici vivant. Je sais pas. C'est trop dangereux pour que tu restes, Ellie. Qu'est-ce que tu me racontes ? Amène ton cul ici. Je lance la vérité des systèmes. Okidoki. Bon, là, il y a une porte. Et apparemment, faut qu'on aille par là. Donc, on va aller par là. Finalement, un point de force. Finalement, il n'y a pas grand monde par ici. C'est sûr qu'on n'ira pas bien loin avec 3 points de force seulement. Hein. Tadam ! Allez, on descend maintenant. Héliport de sécurité. Allumage, ok. Système auxiliaire activé. Sympa. Moteurs principaux approvisionnés. Un truc à récupérer dans ces pièces là. Cet oiseau devrait pouvoir voler. Ah, les commandes ont l'air mortes. Alors,
On va voir si elle est bien à l'intérieur, si c'est son vaisseau à elle. Ah. Ah bah oui, c'est elle. Isaac, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, hey Isaac, qu'est-ce que tu fabriques? Isaac, qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte, ça saute! Non! Non! Non, t'as pas le droit! Lance pas le vaisseau, sois raisonnable! Isaac! C'est ta meilleure chance, Ellie. Tu as de quoi vivre, communiquer. Hé! Hey, t'es tiré d'affaire! Enfoiré. Je veux que tu sois sauvé. J'ai laissé partir Nicole. Mais toi, je peux te sauver. Alors. Ciao. Ah ouais. On peut parler maintenant? Quoi? Tu veux partir, toi aussi? Compte pas sur moi, Nikki. Tu sais bien que j'ai jamais voulu que tu partes. Nous ne voulions pas tout ce qui s'est passé, Isaac. Isaac. Touche-moi. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Isaac, pitié. Ne faisons plus qu'un. Jamais. Elle a disparu, la dame. Oh bah tant pis. On a bazardé Ellie. C'était pas malin, ça. On a toujours besoin d'un allié. Je veux bien vous protéger, mais ça s'arrête là. J'ai une centaine de gardes armés jusqu'aux dents prêts à passer. Toutes les entrées sont fermées. Même si vous réussissez à entrer, je ne donne pas cher de votre peau. Si tu le dis. Je vais venir te voir, toquer à ta porte après avoir tué tous tes gardes et te faire la fête, juste pour mon plaisir personnel. Parce que oui, j'aime ça. Allez hop, stock énergie laser. On va déjà vendre ce qu'on a dans notre inventaire, c'est-à-dire ceci. Parce que là, ça fait déjà 35 000 en plus, il me semble. Si j'ai bien calculé, on va vendre un petit peu de ces trucs-là aussi, parce qu'on n'a pas besoin de tout à mon avis. Et il me semble que j'en ai encore beaucoup en stock, donc autant les vendre. On va pouvoir acheter d'autres types de munitions avec. Ça aussi, je vais le vendre. En particulier, bon, allez hop, un point de force supplémentaire. Ça. Non, pas ça. Allez hop, ça devrait suffire, je pense. Et niveau santé, on devrait pouvoir se permettre de survivre encore un petit moment. Au pire, on peut toujours acheter un pack supplémentaire de ça. Et on devrait être bon, là, cette fois-ci. On va bien voir comment cela peut se passer. Voilà, 110 munitions pour le cutter plasma. Et deux armes que j'utilise le plus, comme ça, moi, j'en ai pas mal, des munitions, je devrais pouvoir m'en sortir. Sauvegarde ici, oui. It's showtime. Allez, venez les soldats. Donc, il n'y aurait plus de nécromorphes, ça me paraît bizarre, cette histoire-là. Quand même. 200 gardes armés. Il va forcément se passer un truc. Viens là, toi, espèce de grand méchant. Non. Il lui manque un orteil, vous remarquerez. Ça fait beaucoup de bruit, j'ai l'impression. Mais non, c'est pas ça que je veux. Donne-moi ton corps. Merci. Thank you.
vois, il y en a un autre qui arrive par derrière, à mon avis, là. Ah bah non. Ouh, mais je peux quoi faire ici? Yeah, baby, yeah! Je crois que je t'avais pas vu, là. Mais vous, je vous ai pas vu du tout, en fait. Qu'est-ce qu'ils font les autres, là? Merde. C'est pas vraiment à ça que je pensais. Te voilà, toi. Attends que je te plante bien. Voilà. Profite maintenant. Ça lui a rien fait? Oh la saleté! Par contre, là, j'ai perdu. J'aurais dû balancer une grenade dans l'eau histoire de pouvoir ramasser un max de munitions. Quoique, j'en ai pas mal de munitions quand même. Je pense que le fait d'avoir fait péter la bestiole juste à côté des cadavres a fait pas mal de dégâts. Je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai encore pas mal de santé aussi. On va faire quand même le tour. Au cas où, bon, je pense qu'il faut aller vers la porte, effectivement. Oups, j'ai pas tué. Mec, c'est celui de ces bestioles. Bon bah ça m'a tout l'air d'être bon. C'est vrai qu'on on a fait un sacré trou dans l'armure, hein. Là on peut pas dire le contraire. C'est ce qui s'appelle arriver avec fracas. Bon, je pense pas que je puisse être dérangé, je vais quand même traîner un bloc de stase. Au cas où ici. Voilà, comme ça, si jamais il y en a d'autres qui arrivent, je serai bien paré. Pour les recevoir. Pas d'avoir grand monde pour le moment. Ça fait pas du tout de bruit leur porte là. Ouais. Ah ouais, super. Bon bah merci le bug hein. Faut pas déplacer trop les objets, c'est la preuve que... J'espère que ça n'aura pas fait planter le décor. C'est quoi, c'est des trucs pour billetterie ça là-bas? En passe quoi, c'est trop silencieux. Ah, et les caméras en plus, superbe, tout pour me plaire. Waouh, 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 waouh. Oh, je sentais trop cette histoire. D'accord, le mec il avait quasiment bazardé une grenade. Carrément bazardé une grenade. Superbe. Magnifique. Bon là il est quasi à ouvrir, superbe. Que des mines. Tout pour ne pas faire mon bonheur. J'aurais préféré d'autres types de munitions. Je
Ah, vous aviez pas prévu que je pouvais passer par là, hein? Ouais, ils sont planqués sur le... Voilà, c'est fermé. On va aller là-haut. Il y a sûrement un moyen pour les coincer, ces mecs-là. Par contre, elles sont toutes éteintes, les lumières, de ce côté-là. Ou alors c'était parce qu'il y avait tout simplement une porte. Et il y a une porte qui s'est fermée. Je sais pas. Ça a déjà fait du vide dans mes munitions. Et ils font moins les malins là, hein. Voilà. Ouh là là. Oh, il y en a un gros centre là. Oh, tout ce monde. Ah, l'horreur. Et il va falloir qu'on combatte ça là. Ah, j'aime pas ça du tout là. On va morfler. Ça va pas être joyeux. Ouais, ça te garde. Enfin, je vais morfler en l'occurrence. Bon bah il nous reste plus qu'à essayer de réparer nos erreurs maintenant qu'on a fait entrer tout le monde alors qu'on avait juste quelques gardes à abattre qui avaient rien de bien méchant. J'espère qu'ils sont pas rentrés. Quel idiot! C'est bien ce que je disais, j'ai fait v'là les tâches. Et en plus j'ai plein de potes, nickel. Je t'avais pas vu là. Toi par contre je t'ai vu. Qui sort tout cela là. Toi, je t'attends. Bon, il a peur de venir par ici. J'ai pas laissé d'autres choses par terre. Ouais, c'est bien ce que je disais, la porte s'est fermée. Il reste plus grand chose des espèces de boucliers qu'ils avaient, les mecs, là. Bon, toi, je te pose là. Par contre, j'aimerais bien récupérer quelque chose de ta part, toi. Merci pour les munitions. Les grenades peuvent toujours être utiles. Et on était juste au-dessus tout à l'heure. Bon, bah, ils doivent pas être bien là. Bien loin, les mecs. Ouh, 2400 de crédit. You, je suis là, juste pour vous, j'ai quelque chose à partager. Ça intéresse quelqu'un? Désolé. Oui, je sais, je porte des éléments qu'il faudrait que je mette là-dedans. Attendez, voilà. Je peux passer maintenant. Ah bah non. Tant pis.
Apparemment, ils étaient pas tués, ceux-là. Isaac, où vas-tu? J'en sais rien. C'est pour ça que je suis là. Pour te montrer la voie. Bon bah merci. Tu sais, le mien fonctionne aussi bien. Quelques munitions en plus, ça ne fait jamais de mal. Bon, elle me disait que la porte est de l'autre côté, mais j'ai l'impression que ça mène au même endroit. Accès sécurisé au projet. Et accès sécurisé au projet, donc ouais, ça mène bien au même endroit. Je sens pas cette espèce de truc violet là. Qu'est-ce que je disais ? Merci monsieur de m'avoir servi. Bon là, c'est fermé de ce côté-là. Je me demande ce qui se passe si jamais on passe malgré le... sans avoir le mec. Il y a l'air d'avoir du monde par ici. Réflexion 43509. Je n'arrête pas de penser à la dernière session du patient 4. Ces expressions sont si parfaites qu'elles résonnent dans ma tête. La solution paraît si proche à présent, je pourrais presque la trouver. C'est étrange. L'autre jour, je disais à Travis que le monolithe voulait nous montrer la voie. Je n'avais jamais rien vu de tel. Une fois résolu ce léger problème de stabilité, nous pourrons lancer la production du monolithe à partir des cultures minérales. Ah, il y en a un qui est parti se planquer dans le coin. Ah, un petit peu de vie, peut-être en récupérer. Allez, on va utiliser cela. Ça fera de la place. Il est parti par là, le mec. On va aller voir quand même. 1000 dollars. Couchez la bestiole. Donne volontaire. Oh, les couchettes. Ou alors c'est les plats. Non, on dirait des... Je sais pas, des, c'est des, bon, on dirait des plats de cantine en fait. C'est pas des couchettes, c'est moi qui craque. Merci pour les munitions, les amis. Sors, toi. Naméo. Bon, pour qui, grosse bestiole? Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, en fait. Je vais aller sauvegarder, voilà, oui. Et on s'arrête là. On garde la suite pour plus tard. Après tout, on doit plus être très loin de la fin. On est au chapitre 13. Donc il reste 2 chapitres, si mes souvenirs sont bons, il y en a 15 d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est ça, il reste 2 chapitres. Donc après je ne connais pas la durée, enfin combien de temps il va falloir pour les terminer. Donc on verra bien cela plus tard, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur et à ciao tout le monde, salut.